was gonna kill myself. Oh, cause I don't have BBM. Let's go. Yeah. Vous savez, il y a longtemps, dans un pays étranger, j'étais jeune, la vingtaine, j'ai traversé un moment très difficile. Pendant que j'ai lutté, j'ai crapahuté dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Je les ai entendus. À l'époque, je me souviens, je commençais à peine à avoir des boulots comme sorteur, vigile, dans des boîtes de nuit. Mais ça ne venait pas chaque jour, ça venait à peine deux fois par semaine. On attendait impatiemment d'être appelé. Parce que voilà, il y avait un manager qui nous appelait. Allô, ça va, tu vas bien, aujourd'hui tu travailles. Ah, tu t'es excité, ah génial, je travaille. Là, tu es sûr que tu pourras avoir de l'argent pour acheter à manger pendant la semaine au moins. Et je m'assurais à chaque fois de pouvoir économiser. À chaque fois que j'avais de l'argent, j'allais acheter d'abord de la bouffe. Parce qu'on sait que peu importe ce que tu n'as pas, si tu as de quoi manger, quelque part où dormir, déjà tu sais que ça va. Donc j'achetais de la bouffe à travers l'argent que je gagnais chaque semaine, une fois ou deux fois, comme vigile. Maintenant, il est arrivé un moment où, pendant trois semaines, on ne m'a pas appelé. Trois semaines, je n'ai pas reçu d'appel. Waouh! La bouffe dans la maison est finie. On n'avait plus rien. Je crois qu'il ne restait qu'une bouteille d'huile, à moitié pleine. Il n'y avait pas de sucre, pas de pain, pas de riz, rien. Pas de poisson, il n'y avait absolument rien dans la maison. J'ai fait au moins trois jours. Avec rien à manger. Purée, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? Alors, il y avait le voisin, là où j'habitais, parce que j'habitais dans une salle de sport à l'époque. On me disait, bon voilà, tu peux être ici, tu peux... Le manager me disait, tu peux vivre ici, il n'y a pas de souci. Mais assure-toi de nettoyer la salle, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois que les gens venaient, les blancs venaient s'entraîner et tout ça. Et à chaque fois qu'ils partaient, il fallait que je reste nettoyer la salle. Donc, essuyer la sueur des gens et tout le bazar. C'est ça, la vie nous fait traverser des fois des histoires vraiment compliquées, quoi. Alors, j'avais tellement faim, je ne savais pas quoi faire. Il y avait les voisins qui m'ont vu un jour m'entraîner. Alors, ils étaient super curieux de savoir comment j'allais. On m'a invité. Ah, salut, comment tu vas? Viens. Je suis en train de jouer à un jeu. Quel jeu? Les voisins blancs avec des métis jouaient à un jeu où il fallait manger du piment. Celui qui mangeait un piment, on lui donnait l'équivalent de 10 dollars. Tu manges un piment, on te donne 10 dollars. Tu prends le piment, tu mets dans la bouche, tu n'arrives pas à manger, tu payes 10 dollars. Mon cher, j'ai mangé des piments. Ah, non. J'ai mangé des piments ce jour-là. Je n'en avais encore... Non, c'est merveilleux. J'ai bouffé, je ne sais pas, 65 piments, un truc comme ça. Bon, 65, c'est un peu exagéré, mais j'ai mangé des piments. Donc ces gens-là me trouvaient extraordinaire quand j'ai mangé le piment. Et ils disaient, mange, on va voir. Les gens mangeaient, on me donnait l'argent. Ah, ils acclamaient. Et leurs amis sont arrivés. Ce gars arrive à manger du piment cru. Ah bon, c'est vrai? Mange un peu, on va voir. Les gens mangent, on me donne de l'argent. Ah la vie. Ce jour-là, je me suis fait de l'argent. Quand j'ai eu mon argent, je suis parti directement au supermarché. Acheter de la bouffe, des stocks. La vie est merveilleuse, il faut toujours tirer des leçons et on ne sait jamais ce que les gens traversent dans la vie. Quand vous voyez quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il traverse dans la vie. Bien qu'il soit bien habillé, bien qu'il parle bien, qu'il paraisse bien, on ne sait jamais ce que les gens traversent dans la vie. Ça a été un moment crucial de ma vie qui m'a beaucoup grandi, qui m'a donné beaucoup d'expérience et beaucoup de maîtrise. Aujourd'hui, j'en suis fier parce que même si je rentrais dans la même situation, je n'aurais pas peur.
Parce que je sais comment je m'en sortirai. Dans la vie, il ne s'agit pas toujours d'arriver ou de recevoir ou d'avoir. Il s'agit quelquefois du processus, la procédure de réussite, la procédure du changement. Ça, on garde pour toujours. On peut te ravir ton bulletin ou ton diplôme de docteur, mais on ne peut jamais te ravir ta connaissance de docteur ou d'ingénieur. L'université de la vie reste pour toujours. Peu importe la situation, peu importe le pays où on te jette, si tu as déjà traversé des moments difficiles, tu sais ce que c'est. J'aime comparer ça au chien. Vous prenez un chien qui a grandi chez des boss, chez des gens bien. Le chien est là, il mange chaque jour, il vit très bien, il n'a qu'à jouer, faire le chien, faire le ouf ouf et puis avoir à manger du lait, des biscuits, enfin bref. Et puis il y a le chien du quartier, très souvent en Afrique, qui va chercher ses os dans des poubelles. Il vit dans deux mondes complètement différents. Vous prenez le chien du boss, vous le jetez en Afrique, il va souffrir. Le petit risque de mourir. Donc l'expérience de la vie vaut toute la vie de l'humain. How's it going? I didn't catch you well. Hello, ma'am. How are you? You good? I'm Zach. I'm Quibus. Quibus. My first trainer, boxing trainer's name was Quibus. Ooh, he's also a boxer. Oh, really? You're a boxer too? Oh, that's great. What division did you fight? That was a long time ago. Long time ago, hey. I fought cruiserweight, I fought heavyweight. No, heavyweight. Heavyweight, yeah. That's great. So how's things? All right. Not so good, eh? No, I'm battling, but... Yeah. Things are not easy at the moment, eh? So what are you guys doing right now? Nothing. Did you have anything to eat? Yeah, too much to eat, but I want money for toiletry, man. Money for toiletry? Yeah. So you need toiletry? Yeah, shampoo. But today I will... Okay. So you need shampoo, you need toiletries, and things like that. Ma'am? Yes. Are you here? You need toiletries too? Yeah. And shampoo and stuff? Okay. Do you have some time? Yeah. How about we go together and maybe get you some of those things you need? But you can help us to book in the place for a night. Say again? You can help us book in the place. The place at the night? Yeah, for place a night. You sleep yeah. for the night. Okay, let's go get you some of the shampoos and the stuff that you need. Where's your car? Then my car is over there. Then we'll talk about the other things. All right. Okay, let's go. So Quibus, ma'am, your name is? Tesha. Tesha, let's go. We can leave some of the stuff somewhere around here. Yes. No, you can come together, please. No, please come together. All right, let's go. Voir ce qu'on peut faire. Bon, on est là, on est arrivé, j'ai trouvé deux personnes, c'est un couple. Quibus et Tasha. Voyons voir ce qu'on peut faire pour eux. Ils sont sans abri en ce moment très difficile. Pas d'argent, ils dorment dehors. C'était pas facile du tout. On va essayer pour le mieux, faire ce qu'on peut faire pour faire une petite différence dans leur vie. Anything else you know? So that place where you sleep, where is it? Where you can pay to sleep for now? Yeah. Okay. All right. I'm gonna give you money so you can
so you can. You can park here safely, eh? Yeah. Okay. Donc on va aller leur chercher un endroit pour dormir. Essayer de faire un petit truc. Permettre de dormir comme des amoureux, on y va. How has it been for you, being outside sometimes at night? What are the most difficulties you've had? When it's raining. When it's raining. We get too much food every day, but when it's raining. Okay. It's bad. So do I pay to you? Yeah. Okay. How much is it? This is for you. All right. You take care. Pray to God. Oh, me? No, I don't need anything. God takes care of me. Oh, yes. Okay. You take care of yourself. In his underpants. Wow, that's a that's a strong guy. Mm. All right, go. Okay. Thank you so much. Okay. Take care. All right. Bye-bye. Ce qui est important ici, ce n'est pas de faire ce que j'ai fait pour vous montrer ce que j'ai fait. Ce n'est pas ça le message. Et tant qu'éducateur, je pense qu'il est de ma responsabilité de transmettre certains messages par visuel. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas d'aller à l'église pour prier, crier « Oh Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, tout ça, tout le bazar, ma jambe, ma tête, mon argent. » L'être humain vit sur terre pour des raisons bien précises. Et aussi, la positivité, la bonté et le loyer que nous payons sur terre. On ne vit pas ici pour rien. Il faut payer son loyer d'une certaine façon. Et il ne suffit pas de prier pour ouvrir les portes. Quelquefois, le Créateur voit les actes. Et je sais qu'il y aura des gens qui vous diront « Non, pourquoi tu fais ça, ce que tu fais par la main gauche, la main droite, ne doit pas savoir. » Ce n'est pas la première fois que je fasse un truc comme ça. Je le fais très souvent. Très, très souvent. Très souvent. Ça fait partie de ma vie, je le fais très souvent. Vous ne le savez pas. Ceux qui le savent sont peut-être ceux qui m'ont suivi depuis très longtemps dans mes chaînes en anglais. Ils le savent. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la routine. Le message d'aujourd'hui, c'est de transmettre à mes frères et sœurs la positivité. Ce message aujourd'hui, c'est pour montrer à mes frères. La réussite, c'est pas seulement l'accumulation des biens. La réussite dans la vie, c'est aussi donner de soi aux autres qui en ont besoin. J'ai parcouru les sentiers de la misère. Je connais ce que c'est. Et quand une personne est assise dans un coin, croupissant dans la détresse, je comprends tout à fait ce qu'il traverse. Je pense que c'est mon loyer à moi, sur terre, que le Créateur nous protège.